Dave Kidd, qu'on n'a pas parlé, le 67, mais qui semble être absent. On ne voit pas Dave Kidd. Donc, une seconde, c'est un bon départ, notamment pour Kelly Shane, qui va sortir du virage. Est-ce que Anderson va être compétitif dans cette course? Oh, Brent Anderson qui mène donc, fait un peu mentir, nous disait que il n'y avait pas le moteur pour gagner aujourd'hui, mais là, c'est lui qui est en tête, suivi de Paul Hewitt et de Jonathan Abbott. Et Kelly Shane, on est quatre là. Quelle lutte dans cette qualification là, 5 litres. Moteur de 305 pouces cubes stock. Et là, Anderson ralentit un peu, mais là, maintient son avance sur Paul Hewitt. Mais il faudra surveiller Hewitt, qu'il est vraiment réputé pour ses remontées. Alors que, étonnamment, Kelly Shane doit se contenter de la quatrième place. Elle qui domine le classement. Attention, Paul Hewitt qui tente de rattraper Burt Anderson. Il y a Paul Barber, lui, qui pilote le 13, le Adrenaline Rush, Alain Véro. Et là, des problèmes un peu pour Bertrand Duluth qui est dernier. Mais là, qu'est-ce qu'il faut surveiller? Est-ce que Paul Hewitt pourra rattraper Burt Anderson, qui a connu tout un départ dans la last minute? Et là, Hewitt était trop près, il a heurté une partie de sa queue d'eau. Mais ce n'est pas fini. 5 tours dans cette qualification, 5 litres. Et ça ne semble pas aller très bien du côté de Kelly Shane. On entend un peu de raté dans le moteur. Mais ça, pas au sommet de ses capacités-là. On voit que Hewitt se rapproche. Dans le Hewitt Motorsport numéro 45. C'est lui qui a gagné la dernière finale à Saint-Félicien. Et Anderson, on sait que le pilote là qui maintient la ligne de course à l'intérieur. Oh, est-ce que Hewitt aura assez de puissance pour le rattraper? Donc, on a joué à cache-cache un peu. On disait ce matin qu'on ne serait pas compétitif. Autant le propriétaire Bill Villaway que le pilote Anderson disait qu'il n'y avait pas vraiment de chance, mais là, on nous joue des tours puisque le CE8 est toujours en tête. Et Hewitt ne parvient toujours pas à aller chercher le meneur. On va doubler d'un tour là Bertrand Duluth qui est mal positionné, devrait être plus à l'extérieur. Et ça sera difficile avec un tour à faire. Il semble que Hewitt semble avoir un peu abandonné là, sa quête pour aller chercher la position de tête. Actuellement, 7 à 8 longueurs. Il pense qu'il essaie de passer à l'intérieur. Mais avec un demi-parcours à faire, je crois que ce sera trop tard pour Paul Hewitt. On va garder ça pour la finale. Et là, même Kelly Shane qui va se faire doubler d'un tour, donc des difficultés pour le 77. Ce sera la victoire de Burt Anderson, last minute, suivi de Paul Hewitt et le CA45, alors que Jonathan Abbott va finir troisième. Et ce sera une sixième place pour Kelly Shane. Paul Barber dans la CA13 et Alain Véro quand même avec une cinquième place avec l'ancien Vision de Jean-Luc Fortin. L'embarcation de Rock CA21. Voici Alain Véro qui a eu un problème électrique hier et là que ça a quand même été beaucoup mieux aujourd'hui. Une cinquième place. Donc c'était votre qualification 5 litres. On poursuit avec Hydro 350 et on pourrait peut-être avoir une entrevue
Bert Anderson et justement Jessica pourrait demander comment se fait qu'on nous avait dit ce matin qu'on n'avait pratiquement pas de chance de gagner aujourd'hui, on n'avait pas un bon moteur. Et là...